Je suis Emmanuel Curé, j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai un enfant et je suis entraîneur professionnel. Alors je suis devenu entraîneur un petit peu par hasard, j'ai commencé très tardivement à jouer, me rendant vite compte que je n'avais pas un avenir, on va dire prometteur en tant que joueur, je me suis très vite dirigé vers l'entraînement. Le fait de diriger des gens, leur apprendre des choses et aussi d'apprendre sur soi en dirigeant les autres, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Et je me suis toujours dit que tant qu'il y aura cet élément-là, je continuerai à faire ce métier. C'est pas un métier où on peut rentrer dans le train-train. C'est un métier où on a tellement de choses à donner, il faut vraiment s'occuper des autres. C'est ce qui me plaît énormément. On va dire les 10 premières années, je ne pensais pas être professionnel, évidemment, pas vivre de ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'entraînais dans la banlieue cannaise et on m'a proposé d'être responsable du centre de formation de Mondeville en basket féminin. J'ai saisi la perche qu'on me tendait et voilà, c'est une opportunité. Après, il y a 20 ans, je ne pensais pas être entraîneur pro. J'avais d'autres velléités, quoi. Il y a des étapes, il y a des diplômes fédéraux, nationaux, le BE1, BE2. Et puis après, je pense que c'est vraiment un métier de passionné. Il ne faut pas compter ses heures, il faut travailler beaucoup, il faut avoir une envie, parce qu'il y a des moments de déception, il y a des moments de joie évidemment, mais plus de déception, parce que c'est pas simple de gérer les individus. Les gens deviennent de plus en plus individualistes, mais c'est ce qui fait aussi la beauté et le charme de ce métier, c'est de réussir justement à regrouper des individus et à faire un groupe. Une journée de match, c'est... pas trop penser au match déjà, parce qu'on y en a déjà pensé toute la semaine. Essayer de donner les derniers éléments pour l'équipe pour qu'on n'ait rien oublié, parce que déjà ça rassure. Et puis c'est aussi donner un maximum d'informations aux joueuses. Make a match-up zone 3-2. So, when you play this defense, you need to play corn or mayo. The both, it's good. D'accord? Attention, quand vous utilisez le dribble, when you use the dribble on the drive, give the ball quickly. Because if you use two or three dribbles, it's too much. Because help immediately. Allez, bon shooting et bon match surtout. J'ai entraîné des garçons, oui. Des cadets, c'est pas simple. C'est différent. C'est beaucoup plus terre à terre, les garçons. C'est marche ou crève, c'est la carotte ou le bâton, quoi. Chez les filles, c'est pas ça du tout. Chez les filles, il faut être plus fin, plus subtil. Les joueuses peuvent aller très loin dans la douleur, dans le don de soi. C'est exceptionnel. Enfin, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'elles sont capables d'aller très très loin si elles ont confiance, si elles savent qu'elles vont gagner des choses ensemble. L'aspect collectif est déterminant. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Je pense que tout entraîneur aimerait coacher les meilleures joueuses du monde. Je veux dire, ça serait une hérésie de dire le contraire, mais... Non, je trouve que j'ai eu la chance déjà dans ma courte carrière de coacher des gens de très bon niveau, avec des forts caractères. On a tendance à croire que j'ai du mal à gérer les gens qui ont des forts caractères, alors que c'est quelque chose que j'aime bien. Et je pense que c'est justement les gens que j'arrive à plus facilement à gérer. Parce qu'il y a des conflits, et moi j'adore le conflit. Je pense qu'on ne peut pas avancer sans conflit. Après, il faut relativiser. Je pense que gérer des conflits chez des hommes et chez des femmes, c'est différent. Je pense que les femmes n'ont pas besoin de beaucoup de conflits pour avancer, mais il en faut de temps en temps, alors que les garçons ont besoin de conflits. S'il n'y a pas de conflits, ils n'avancent pas. Mais vous savez, je pense qu'on apprend énormément sur soi à gérer ce type d'individu. Parce que si vous ne vous remettez pas en cause, vous allez tout droit dans le trou et vous êtes mort. Et je trouve que ces gens-là, justement, vous obligent à être malin, à mettre son mouchoir dans sa poche de temps en temps, à s'affirmer de temps en temps. C'est ce qui m'intéresse. Bah, le niveau d'Aix, moi sur ce que je vois depuis le début de l'année, je pense qu'il est très intéressant. On n'a pas réussi à le valider en termes de résultats. Alors pourquoi ? Début de saison pas facile, des arrivées un peu tardives, tout ça, des changements, un manque de vécu.
Manque de chance, manque de réussite sur le premier match à l'Open qu'on peut gagner. Malheureusement, on le perd. Aucune signification. Elle se déroule bien sûr sur toute une année, toute une saison. Coup d'envoi est donné. Elise Penaluna s'est pété les croisés. Wow. Sur le coup, on prend une claque, on cogite, on se dit pas facile de trouver. Et on va dire, 24 heures après, on avait Lienne Johnson. L'avantage, c'est qu'on a pu prendre une joueuse européenne de bon niveau. Et on s'aperçoit que dans le change, bon, ça va, on s'en sort plutôt bien. Et une contre-attaque, une perte de balles, une contre-attaque très bien menée avec deux. Moi, le plus important, c'est d'avoir gardé notre meneuse de jeu qui était la base de l'équipe. Ça, c'était important. C'est rapide. Très beau tir, ouais, ouais, un tir très rapide. Mais suspense, je sens la prolongation. Moi, je sens la prolongation, moi. Ah, panier loupé. Aïe, 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 bon. Donc, ce match se termine sur... défaite de Aix-en-Provence de 3 points. Un début de calendrier pas facile, parce qu'après l'Open, on va à Montpellier. On s'aperçoit que Montpellier, que ce soit sur le championnat européen ou sur le championnat national, c'est un gros calibre. Après, bon, on a validé chez nous contre Nantes. J'ai été globalement satisfait. L'accident, c'est la semaine dernière à Tarbes, où on a déjoué et on doit gagner là-bas. Donc le niveau, pour l'instant, je pense qu'il est, il est intéressant. On va dire plutôt vers le haut. Malheureusement, en termes de résultats, c'est pas flagrant. Après, l'avantage de jouer des grosses équipes, c'est que vous n'avez rien à perdre et vous êtes concentré sur votre sujet. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Je préfère jouer des grosses équipes que des équipes soi-disant plus faibles. Quoique cette année, les équipes soi-disant plus faibles, j'en vois pas. Donc la confiance, c'est quand même déterminant. Je m'en suis rendu compte après la victoire de Nantes. C'était notre première victoire, hein, match de préparation confondu. J'ai vu des sourires, j'ai vu une qualité de travail que j'avais pas vu depuis un moment. Donc j'espère qu'on va valider ça ce soir. Allez, bon appétit à ce soir. 1, 2, 3, ensemble. Ensemble. C'est long, c'est très très long, tout est prêt, les joueuses se préparent, c'est elles qui vont faire le match et puis nous on est un petit peu dans l'attente et je me dis toujours que si j'étais fumeur je pense que je grillerais au moins quelques 2 ou 3 cigarettes je pense parce que c'est vraiment le moment que je déteste le plus. Un assistant ça sert à beaucoup de choses, déjà ça sert à ne pas être seul. Parce qu'il y a des moments où, quand on est seul, on a besoin de quelqu'un. Il faut quelqu'un de confiance, qui croit en vous, vous croyez en lui, et qui vous permet justement d'avancer. Il faut quelqu'un de courageux, parce que moi je travaille beaucoup, lui aussi, ça tombe bien. Et il faut vraiment qu'on soit là tout le temps. Lui, il m'épaule tout le temps, il est là. Et puis c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans le travail, sur les séances d'entraînement, sur la préparation des matchs. Voilà, c'est ça un assistant. C'est accepter d'être dans l'ombre en ayant un rôle important. J'ai été assistant, je sais ce que c'est. Donc je voulais surtout pas faire vivre quelque chose de négatif à mon assistant. C'est-à-dire qu'on est main dans la main, dans la défaite, dans la victoire, et on est complémentaires. Tout d'abord, prenons plaisir à jouer ces matchs-là. On n'a rien à perdre, jouez les yeux dans les yeux. And remember, play together. Every game I say the same things, but together. And together, and play the good set place, and play together on defense too. Jouer en équipe, jouer dur, on joue à la maison. On joue à la maison, on se fait respecter. On joue à la maison, respect, respect, respect. Ça marche? D'accord? 1, 2, 3, ensemble. Je déteste le fait de sacraliser quelqu'un. Je déteste ça. C'est-à-dire qu'on a des références.
Mais je déteste dire on met quelqu'un sur un piédestal, j'en ai horreur. Et encore plus des gens qui ont le pouvoir ou qui dominent ou qui forment ou qui gèrent des gens, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est-à-dire que je ne suis pas un gourou, je suis un entraîneur. C'est-à-dire que je ne modifie pas les gens, je les aide, j'essaye de faire en sorte qu'ils s'adaptent aux conditions de mon équipe. Mais j'ai... Ah non, pas de modèle, non. Les modèles, déjà je ne veux pas être un modèle et je n'aime pas les modèles. Et je déteste les gens qui n'ont pas de défauts. Voilà. Une joueuse qui est lisse ou un coach qui est lisse, et je m'en méfie terriblement. J'aime les gens qui ont des défauts. Voilà. Et je me mets à pied là-dessus, justement. Après, changer, on est dans un monde professionnel. Les gens ont envie d'aller voir ailleurs. Les gens, voilà, c'est la vie, quoi. Si on ne l'accepte pas, il faut malheureusement changer de métier. C'est pas un signe de faiblesse, c'est pas non plus un signe de force, c'est la réalité du marché qui est comme ça. On a joué 4 minutes, 5 minutes, we play 5 minutes. Mais il faut se faire mal un peu là. On a peur de quoi? On a peur de quoi?